Et salut à tous, c'est comme je vous l'ai promis, on se retrouve pour l'ouverture de l'Elite Pack, voilà, juste avant Noël. C'est génial. Allez, c'est parti. Alors, un Elite Pack, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, on va le découvrir tous ensemble. Donc déjà, c'est l'Elite Pack des Légendes Brillantes avec OO dessiné dessus. Hop, juste là. Donc Légendes Brillantes, c'est celle où il y a les collections de cartes shiny, avec tous les Pokémon shiny. Et déjà, un petit attention, danger d'étouffement. Pas manger les cartes. C'est pas bon. Alors sur le côté, on a Légende Brillante. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un carton qui emballe une boîte. Une boîte qui sera fort pratique pour ranger toutes mes cartes. Et qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? 10 boosters, une carte brillante de OO, donc une promo. 65 protège-cartes ou motifs de OO en or. 45 cartes d'énergie, bon, ça c'est pour jouer. Un guide de jeu de l'extension spéciale des Légendes Brillantes. Les dés de dégâts, un lancer de pièces autorisé en compétition. Ah non, un dé de lancer de pièces, ouais, d'accord. Des marqueurs de dégâts en acrylique, pas en carton. Un coffret de collection avec 4, donc c'est le coffret, voilà, avec 4 séparateurs. Et la carte code pour le jeu en ligne. Donc c'est parti, on va ouvrir. On va déchirer le blister. N'est pas le même blister que pour les packs. Hop. Voilà. Donc on dégage la première partie. Hop. Alors derrière on a le guide de jeu. Ah c'est un carton ça aussi. Oh, j'ai eu peur. Ah dedans. Attendez. Dedans on voit pas bien. Mais il y a Mewtwo, il y a Mew, il y a Rayquaza. Je peux pas le détacher ce truc-là. Je vais essayer de vous le détacher. Ouais, ça se détache, ils ont pensé à tout. Voilà, Genesect, Mewtwo, Mew et Rayquaza sur un petit carton. Ah, c'est sympa ça. On peut garder le carton. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le guide? Découvrons le coffret. Alors, c'est les Pokémon qu'on a. Donc, on a la carte de Wooow qui est là. On a Celebi, Mew, Marshadow et Mewtwo. Pidgeypie, Negapi, Flamio. Enfin, Flamio. Mewtwo, d'accord. Ok. Ok. C'est un guide qui sert à rien en fait. Alors c'est parti, on va ouvrir ceci. Déjà les protège-cartes, elles sont... En... Ah, j'ai ouvert à l'envers. C'est l'envers. C'est bizarre. Bon. Donc ça, ce sont les protège-cartes. Qui sont plutôt... plutôt costauds. Hein. C'est quand même un bel objet. Alors on a ici les dés. Plus petits que ce que je croyais. Ça, c'est la carte. Là, c'est les 45 cartes énergie, donc je vais pas l'ouvrir parce que c'est des cartes énergie. C'est essentiellement pour le jeu sur table. Ah, ça, c'est les marqueurs en acrylique. Ils sont bien lourds quand même. C'est assez. C'est plutôt costaud. Et ça, c'est le marqueur de quoi? C'est la pièce? Je sais pas. Bon, après, c'est le marqueur, voilà, empoisonnement et dégâts. Ensuite. Bah, ça, c'est les protège-cartes. Pourquoi ceux-là, ils étaient en vrac, comme ça? Ok, j'ai les protège-cartes en rab, apparemment. Et hop, on va virer ça. On va virer ça. Et donc les boosters, les voilà. Les voici, les voilà. Des légendes brillantes, il y en a 10 normalement. Hop, la carte O qui est au milieu. La carte O en holo. Je vais la sortir. C'est une carte promo. De soleil et lune.
Waouh! Elle est incroyable, putain! C'est. Waouh! Elle est belle! Alors je sais que certains d'entre vous ont eu la chance d'avoir le coffret Jumbo de Oro avec la grande carte Jumbo des gens qui ne m'ont pas prévenu au passage et que je ne remercie pas. Je ne vise personne, n'est-ce pas, Kiyomi Créa? Et donc, on va, hop, continuer cette ouverture. La boîte est super, mais je vois pas les compartiments. Il n'y a pas de compartiment, en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de séparateur. En fait, c'est des séparateurs, mais c'est du carton. Donc, on a Mew. Mewtwo. Mew. Genesect. Rayquaza. Mewtwo. Mew. Genesect. Rayquaza. C'est dans l'ordre ou quoi? Non. Mew et Mewtwo. On va commencer par celui que j'aime le moins, c'est-à-dire Genesect. Parce que c'est juste un insecte, en fait. Il n'y a rien de... Faut arrêter de dire... Voilà. Oula. Bizarre, ça. C'est parti, on met ça de côté. Alors, il y a forcément la carte énergie, mais je sais jamais où elle est. On attaque avec un air bizarre. Bulbizarre, juste derrière. Posipi et Negapi derrière. Zorua. Negapi et Posipi derrière. Ah, c'est le ranch dans Alola. Une hyperbole. Alligator. Gringolem, je croyais que la gigature. C'est quoi ça? C'est la Mewtwo GX, voilà. Ça va, première ouverture, une Mewtwo GX. T'as mec. En plus, je croyais que la gigature c'était la rare. Non mais. Voilà. Non, parce que, ouais, y a rien à dire de plus, c'est incroyable. Purée, mais elle est belle, en plus. Allez, on continue. Bon, c'est le coffret O, il me faut au moins O quand même. Enfin, à part en promo, quoi. Il me faut au moins O. Alors, Musteboué. Posipi encore. Matoufeu. Baggy Gwen, je trouve que c'est un des Pokémon les plus dégueulasses du monde. Baggy Gwen, et après c'est quoi? Ah, je sais plus, mais en gros, en fait, il se tient à la peau du... des jambes. je trouve ça dégueulasse. Crocodile. Déplace dégâts. Spirit Bomb. Spirit Bomb, j'ai jamais compris non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Electrode. L'acier en reverse. Et la carte élevée en full art. Quoi? Attends, j'ai une reverse. J'ai. Quoi? J'ai une reverse d'énergie, une full art et une énergie derrière. Bon, ça fait deux boosters. J'ai raison de pas l'aimer Genesect en fait. Hein. Je vous la montre bien de près quand même, parce qu'elle est superbe. En ce moment, j'ai que des cartes full art de dresseur. Alors, on va continuer à refaire Rayquaza. Maintenant, c'est toujours pas haut, hein. C'est toujours pas haut. Mettre ça de côté. Mince. Est-ce qu'on aura autant de chance cette fois? Allez, on commence avec Quillfish, Rebaggy Gwen, Matoufeu, Posipi, Zorua, l'éleveuse de Pokémon, l'hyperbole. Alligator, Quillfish en reverse, et ou pas en holo. Et l'énergie ténèbre, ou pas en holo. Hop, hop, j'essaye de focus dessus. Elle est plutôt jolie. Hop, le deuxième avec Wadza. Ah, avec Flamiaou. On commence avec Flamiaou. Hop, j'ai oublié de faire le tri. Je fais un peu le tri là, c'est un peu le bordel. Oh
mince. J'en ai perdu une. Alors. On a Flamiaou. Là, Champignon. Voltorb. Gringolem. Bulbizarre. Déplace dégâts. Spirit Bomb. Electrode comme tout à l'heure. Mustéflo. En reverse. Et Raikure en holo. Qui est très belle aussi. Bah c'est pas mal, tout ça, tout cela. Allez, on a 3 Mew. Je ne savais pas que les boosters pouvaient crier. Alors, hop, vous voyez pas. Balignon, Herbizarre, Liputou, Megapi, Chartor, Chris, qui est le patron de Togedemaru, super rappel, Lily, Florizarre en reverse, est-ce qu'on aura Florizarre en holo? Non, la Zekrom en holo. Je vous montre ça de plus près. Voilà. On est reparti avec un autre Mew. Ouh, là j'ai vu qu'on commençait avec Abo. Moi ça me fait plaisir de voir des cartes de Pokémon de première génération. C'est toujours sympa. On ne vous oublie pas les gars, on pense à vous. Vous étiez les meilleurs à l'époque. Donc Abo, Pikachu avec un joli fond arc-en-ciel, il me semble que je l'ai déjà eu en plus. Crocodile, Chakripan, Pyronie, Tili, qui va tout le temps vous taxer des Masala. Da, Masala, je crois. Golemastock, Pyrax, évolution. Ouh, Arbok en river, c'est là, on est encore dans la première génération et je suis content. Et Shaymin en forme. En forme paillérisson. Je sais plus comment elle s'appelle cette forme là. Et hop, l'énergie des fées. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Oh, oula. On commence de la façon la plus immonde avec un limonde. Je préfère les blagues du cousin et prochaine quoi. Alors limonde. Quillfish. Balignon. Bagigouane encore. Liputou. Léopardus. Double énergie incolore. Et ils appellent ça énergie incolore. D'accord. Oui. Attrape Pokémon. Herbizarre en reverse. On est décidé, on va faire toutes les évolutions en reverse. Et Reshiram en holo. On a Zekrom, Reshiram. On est pas mal, les gars. Les gars, c'est pas mal. On attaque les boosters de Mewtwo maintenant. Ah bon, on a enfin Voltorb. Depuis le temps. Donc, Voltorb. Chakripan. Flamiaou. Kaiminus. Immonde, encore. Chris, super rappel. Lily, Chris en reverse. Mewtwo GX, full art. Ah mais ça c'est incroyable ça. Ça c'est incroyable. J'ai pas les mots. Je l'ai eu, je l'ai en GX. Hop, je vais essayer de mettre ça. Je l'ai eu en GX et en full art. S'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi des boosters, mais je vous ouvre tout, moi, j'en fous.
Il vous prend tous. Je rigole. Je rigole, j'ai pas eu Oro encore. Mais j'ai eu Mewtwo GX dans un booster de Mewtwo. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est le beau jeu. C'est le beau jeu. On était là, on s'est dit, oh les gars. Puis là, on va l'ouvrir. Ça va être pas mal. Ouais, ça dégage, ça. Le mec, il en peut plus. Il est au bout de sa vie, tu sais. Focus pour vous voyez bien. Balignon, Liputo, Pikachu, Charthor, Kaiminus, Tili, Golemostock, Pyrex, la Super Ball en reverse, Marshadow, en holo, Marshadow, le nouveau petit Pokémon de chez Alola, en holo. Le dernier, The Last, de Mewtwo. Espérons qu'on aura de la chance. Allez, le haut, là. Je veux le haut. Au moins, après, il est partout sur la boîte, sur les protège-cartes et tout, mais je l'aurai pas. Qu'est-ce qu'il savait dire? Voltorb, Gringolem, Abo. Champignon, Limonde, Léopardus, double énergie, Drapagamon, Liputo en reverse et Oro. Et putain. Bon, c'est Manaphy, c'est pas mal aussi. Je la montre. Magnifique, magnifique tout ça. Qu'est-ce qu'on retiendra de cette ouverture extraordinaire, n'empêche, c'est que j'ai eu Mewtwo et Mewtwo. Et vaguement le celui du ranch. L'éleveuse de Pokémon du ranch. Donc ces trois cartes, enfin ça j'en fous en fait, mais ces deux cartes là, elles sont trop belles. Et je pense pas que... Non, ce n'est pas des secrets, c'est pas de secrets, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la collection complète, mais ce ne sont pas des secrets. En tout cas maintenant, enfin de tout ça là, j'ai une boîte pour tout ranger. Donc ça va être sympathique. Je vais pouvoir ranger tout mon bordel. Et c'était une belle ouverture. Et les mettre sous des protections de cartes. Oh, que je n'ai pas eu. Et ça va être sympa. Voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous recommande cette boîte. Si vous ne l'avez pas. Ou si vous voulez la box avec la jumbo. Mais elle est introuvable. Sur internet, c'est introuvable. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Nyanbox qui arrivera après Noël, malheureusement. Voilà. Merci à tous ceux qui ont déjà partagé leur vidéo Nyanbox. J'ai vu un petit peu ce qu'il y avait. Merci de m'avoir spoil, n'est-ce pas? Et sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, ce que vous voulez. Voilà. Vous êtes libre. Je vous lâche. Allez, à ciao tout le monde. Ok, je viens juste de comprendre un truc en fait. Ça, c'est pas des protège-cartes, c'est les séparateurs. Ils sont carton. Voilà.